Bonjour, on est dans la salle des passes perdues au Palais des Nations à Genève. Salle des passes perdues derrière l'assemblée, la salle des assemblées générales où les diplomates sortent pour trouver des solutions aux problèmes du monde. Et par hasard, cette salle accueille aujourd'hui une exposition de photographies. Pierre Biraud, photographe, accrédité aussi au Palais des Nations à Genève, a voyagé dans différents endroits du monde. Et notre question aujourd'hui, parce que ce sont ces photos qui s'exposent, comment tu t'inspires, tu te documentes avant de visiter un pays? Alors sûrement que c'est important de se préparer dans le sens de connaître au moins le minimum déjà du pays. Mais très souvent, je profitais de regarder des cartes, de connaître les endroits principaux. Et puis, dans la mesure du possible aussi, connaître un peu l'histoire des pays. C'est clair que plus on connaît, plus ça fait plaisir aussi aux gens qui comprennent qu'effectivement on vient et on connaît un peu, on a un background de base sur le pays. Nations Unies, les experts des Nations Unies concluent que la situation du monde s'est améliorée, que le monde aujourd'hui c'est mieux qu'il y a 50 ans. Mais il y a des expressions de souffrance, de joie dans tes personnages que tu as photographiés. Quels sont tes souvenirs de ces gens que tu as photographiés, que tu as trouvés dans des situations de souffrance ou de joie? Alors oui, c'est vrai, il y a eu des gens qui vraiment vivaient une souffrance assez dure. Beaucoup de gens, finalement, sont quand même heureux avec très peu. Et puis le but principal, quand même, surtout dans cette exposition ici, c'est pas de montrer la souffrance, c'est de montrer la dignité des gens, même quand ils sont très pauvres. Et au fait, c'est surtout ça que j'ai découvert dans la plupart des pays où j'étais. Même si les gens avaient très peu, il y avait une dignité. Et ça a été un plaisir d'avoir un contact avec eux, d'avoir une relation presque intime, je dirais, sur un petit moment où on a été complices de partager un moment. Alors des fois, c'était avec des discussions, des mots et tout, mais il y a aussi eu beaucoup de situations où on ne pouvait pas parler la langue et tout se passait dans le regard. Et je vois aussi qu'il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qu'on pouvait croire que c'est n'importe quelle latitude, parce qu'il y a des hommes et des femmes que tu pouvais croire que sont de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou de l'Asie, mais que les regards sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que toi as trouvé les mêmes expressions malgré les différences géographiques et d'histoire de ces peuples. Bon, ce qu'il y a surtout, je dirais, la magie dans une image, c'est le contact concret avec la personne. Alors, si la personne vient d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, c'est pas ça qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est surtout d'arriver à créer un contact. Et puis, il y a des moments comme ça, assez uniques, où on peut profiter de ces moments. Ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon discours d'introduction par rapport à cette expo, c'était au fait que la photographie, c'est quelque chose de très féminin, finalement. C'est-à-dire, les gens disent, oui, je prends une photo. Et moi, je ne pense pas qu'on prend une photo. On prend ce que le moment nous donne. C'est-à-dire, il y a un moment d'éternité, ici, maintenant, qui se passe. Et ce moment est unique. On ne peut pas le refaire. Et l'idée, c'est, ou l'art, c'est peut-être d'attraper ce moment. Mais finalement, c'est la personne qui me donne ça, ou la nature, parce que c'est la même chose avec la nature. S'il y a un magnifique ciel ou des nuages ou quelque chose de très spécial, ça ne va pas se reproduire. Donc, il faut prendre le moment. Et avec les gens, en réalité, c'est la même chose. Ils nous donnent quelque chose, ils ne le répètent pas, en fait. Et en parlant du moment, c'est-à-dire cette exposition est à l'occasion des 90 ans, 90 ans de l'Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein, une organisation dont tu fais partie et qui organise pas mal de voyages. Donc, quels sont tes souvenirs de ces voyages avec eux? Qu'est-ce que tu peux dire de cette organisation que les gens qui nous regardent peut-être ne connaissent pas? C'est vrai qu'il y a eu des voyages magnifiques. Un où on a eu la chance de partager ce voyage, c'était surtout l'Équateur, un pays absolument incroyable où on a vraiment vécu des choses magnifiques.
Et il y a eu aussi en Amérique du Sud la Colombie, il y a eu le Mexique, dernièrement il y a eu le Vietnam, il y a eu tous ces pays qui aujourd'hui faisaient partie de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire l'Ouzbékistan, l'Arménie, l'Ukraine, la Russie elle-même. On était donc dans des régions assez intéressantes et au fait, la découverte est toujours la même, c'est d'ouvrir ses yeux et d'être prêt à découvrir des paysages et des gens. Et il faut savoir qu'ici à Genève, il y a les organes des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi il y a les agences de l'ONU, c'est-à-dire ce qui occupe de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, et toi, tu as fait des voyages aussi liés à ces agences, ou à certains de ces agences. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que là, c'est tout un peu limité. Dans tes champs de choix. Par exemple, je crois que tu as été avec l'Organisation mondiale de la santé dans des voyages. Tout à fait. J'ai d'ailleurs même commencé les voyages internationaux, surtout grâce à l'ex-directeur Dr David Nambaro, qui m'a beaucoup aidé à ce temps-là. Mais disons, principalement, l'OMS m'a permis de commencer des voyages, surtout en Afrique et en Asie. Et par la suite, indirectement aussi en Amérique du Sud. J'ai aussi beaucoup travaillé pour l'ONU-SIDA. Ça m'a permis aussi de faire surtout toute la région arabe, donc du Maghreb, de l'Égypte, de l'Iran et d'autres pays. Principalement, évidemment, que j'avais un carnet de charges assez clair et je devais photographier certaines organisations, certaines ONG, ce que le gouvernement mettait en place. Mais j'ai toujours pu aussi faire des paysages et aussi prendre des portraits. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des portraits qui étaient faits par rapport à des gens avec lesquels je travaillais. Mais il y a toujours eu cette situation où on rencontre des gens et des enfants et des personnes âgées, indépendamment de la mission principale d'un voyage. Depuis combien de temps tu es dans la photographie? Alors j'ai commencé début 90, environ 1992 au début. J'ai travaillé surtout pour le journal Le Matin au début. À Zurich, ça m'a permis d'avoir ma carte de presse, de connaître le métier à travers le journalisme, disons, quotidien, je dirais, des journaux. Ça m'a aussi permis de faire beaucoup de concerts, donc j'ai eu la chance de photographier beaucoup de gens connus, que ce soit le chanteur de Yes, le chanteur de Deep Purple, j'ai rencontré Alice Cooper, Joe Cooker, etc. Enfin, Tina Turner et d'autres, Paul McCartney, plus tard même ici à l'ONU. Finalement, c'était quand même très varié, mais ça m'a permis, disons, dans le spectre de la presse, de vraiment faire mes écoles, si tu veux. Donc, ton expérience, c'est voyager dans des pays, mais aussi voyager dans ces spectacles, dans la réalité quotidienne d'un journal qui sort tous les jours. Alors, pour finir, quels sont tes conseils pour un photographe qui commence à faire ses armes dans les métiers? Je dirais ce qui est très important, c'est de toujours être ouvert, créatif, regarder autour de soi. J'emploie cette phrase que j'adore, que j'avais découvert en Inde, qui dit, je l'ai dit en anglais parce que c'est l'original, « Unless you look for something, you cannot see it ». Je l'ai d'ailleurs même mentionné sur mon site. Je pense que c'est important d'avoir cette conception, de dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font de la photo aussi avec leur téléphone, etc., qu'il n'y aurait pas de place pour les photographes. On voit qu'il y a énormément de photographes créatifs et c'est ça qui va permettre que le regard d'un photographe va toujours rester indépendamment des moyens employés. Évidemment qu'avec les nouvelles technologies, c'est plus facile qu'avant, d'une certaine manière. Mais bon, ça ne change rien au fait que la prise de vue, c'est quelque chose que le photographe fait pour lui-même ou avec l'aide justement des gens ou de la nature qu'il côtoie. Bien, Pierre Biron, merci beaucoup et bonne chance pour toutes les années à venir. Je vous remercie, merci.